Coucou les mamans, j'espère que vous allez bien, que la santé ça va. Alors avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier tout le monde, vraiment merci, parce que j'ai lancé mes t-shirts, ça fait quelques semaines. J'ai produit d'abord 50 t-shirts parce que je voulais un petit peu voir comment les choses allaient évoluer, mais ça évolue super vite. J'ai reçu tellement de commandes, gens qui prenaient 2 t-shirts, 3, 4, 5, vraiment merci. En moins d'un mois, tout est fini. Merci beaucoup. C'est à ce moment-là que tu te sens vraiment soutenu, que tu te sens aimé, que tu as l'impression qu'on est en train de te gratifier pour le travail que tu fais. Vraiment merci. Pour le moment, il n'y en a plus. Donc, pour ceux qui m'ont demandé qu'ils veulent les t-shirts, les attendre, patienter genre 2 semaines, je vais relancer une autre production d'ici là. Merci encore. Merci. Si c'est la première fois que tu me découvres et que tu vois ma tête, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne absolument rien rater. Alors, le test de porosité est-il vraiment important? Avant d'entrer dans le vif du sujet et répondre à cette question, on va d'abord chercher un petit peu à comprendre ce que c'est. La porosité des cheveux, c'est leur capacité à absorber l'eau, les soins, mais de les retenir aussi. Il y a quelques années encore, on ne savait absolument pas ce que c'était. Et nos mamans, nos parents d'avant n'ont jamais su ce que c'était la porosité. Mais pourtant, leurs cheveux étaient beaux, longs. Et c'est peut-être pour ça aujourd'hui que les gens se demandent à quoi ça sert véritablement. Est-ce que c'est si important de savoir ça? Quand on sait aujourd'hui que notre routine capillaire est conditionnée par la porosité, quand on sait aussi que l'achat de nos produits est conditionné par la porosité, et que tout le monde sur le net, tout le monde sur YouTube vous dit que la porosité est indispensable avant de commencer une routine capillaire. Avant, on ne connaissait pas tout ça. Mais comme je l'ai dit, les gens avaient les super beaux cheveux, les longs cheveux. Comment ça s'explique en fait? Le truc, c'est qu'à ce moment-là, les gens faisaient des soins sans être très sûrs de si ça allait marcher ou pas. Ça allait un petit peu de bouche à oreille. Tel disait à une autre que ouais, j'ai essayé tel soin, ça marche sur moi, c'est très bien, tu devrais essayer aussi. Et l'autre essayait, se rendait compte que non, ça ne marche pas sur elle parce qu'elle avait plutôt plus de casse, lors des démangeaisons, des pellicules. Et c'est un petit peu comme ça qu'elle arrivait à savoir si un soin les allait ou pas. Donc elle testait plein de choses et lorsqu'elle tombait sur un produit qui marchait vraiment, elle se disait ouais voilà, j'ai trouvé le produit miracle. Donc c'est pour ça qu'au fil des années, les gens ont commencé à chercher à comprendre pourquoi tel soin allait sur une telle et pas à une autre. Et on a aussi constaté que lorsque certains cheveux étaient mouillés, ils avaient tendance à plus vite sécher que d'autres. Tout ça a donc fait un petit peu réfléchir les gens et on est venu à en conclure qu'il y avait 3 types de porosité. Porosité forte où les écailles sont très ouvertes et absorbent très vite les soins mais ne les retiennent pas. Porosité faible où les écailles sont trop serrées, ne permettent absolument pas aux soins de pénétrer au cœur de la fibre capillaire. Et porosité normale où le processus d'ouverture et de fermeture des écailles est automatique, pas besoin de forcer. À la suite de cela, on a aussi compris que les cheveux à forte porosité avaient tendance à plus apprécier les soins protéinés. Et que les faibles porosités n'aimaient pas trop les soins protéinés mais plus les soins hydratants. Et aujourd'hui, pour connaître sa porosité, il y a un test qui est tout bête, tout simple, c'est le test du verre d'eau. Je suis sûre que vous toutes, vous savez exactement ce que c'est. Alors, au vu de tout ça, est-ce que le test de porosité est-il vraiment important? Je répondrai par l'affirmative parce que grâce au test de porosité, on sait si nos besoins ont en majorité besoin de protéines ou s'ils ont en majorité besoin de soins hydratants. Pour moi, ça s'arrête là. C'est-à-dire que toutes les restrictions qui sont aujourd'hui derrière, moi je trouve que c'est complètement insensé. Et toutes ces personnes qui ont tendance à venir vous conseiller sur vos propres cheveux parce que vous avez telle ou telle autre porosité et vous dire que non, n'utilisez pas ça. Si tu utilises ça, tes cheveux vont se casser. Non, mets plutôt ceci. Non, mets plutôt cela. Comment se fait-il que tu lui donnes des conseils sur ses cheveux, sur quel produit elle peut utiliser ou pas, juste parce que tu t'es basé sur sa porosité? Je dis ça, mais il y a quelques mois encore, j'étais persuadée comme vous qu'il y avait des produits qui étaient réservés à une certaine porosité et pas à l'autre. Mais tout ça, c'est du vent. On va vous dire que les faibles porosités n'utilisent pas les produits lourds, les beurres végétaux, tout ça, c'est pas bon. Et on va vous dire que les fortes porosités, elles aiment les huiles lourdes. Elles n'ont pas besoin de sources de chaleur sur les masques. Elles ont besoin d'eau froide. Elles n'ont pas besoin d'eau chaude pour laver les cheveux. Tout ça, c'est du vent. Je vais peut-être vous choquer, mais il n'y a absolument aucune restriction à faire. Aucune. Je fais des coachings capillaires depuis bientôt maintenant 7 mois. Et toutes les filles que je suis,
toutes les filles que je suis utilisent des produits qu'on a dit qu'ils étaient interdits à une certaine porosité. Et à contrario, elles ont des résultats super. Je trouve ça un petit peu dommage d'interdire le beurre de karité pour les faibles porosités. Le beurre de karité, c'est la base. C'est trop la base du cheveu crépus. Alors l'interdire à une catégorie de cheveux parce qu'ils sont de faible porosité, je trouve ça un petit peu... je ne sais même pas comment je vais qualifier ça. Mais bon, je ne vais pas dire stupide parce que moi-même aussi, je pensais comme ça. Mais je vais vous dire que ce n'est absolument pas vrai. Vous pouvez avoir une faible porosité et utiliser des produits lourds, utiliser des beurres végétaux. Il n'y a absolument pas de problème. Le tout, c'est de savoir l'utiliser. Si vous avez des cheveux fins, par exemple, et que vous avez une forte porosité, vous n'allez pas utiliser le beurre de karité n'importe comment parce que vos cheveux sont fins. Vous allez utiliser ça avec parcimonie, avec la main légère. Or, vous avez une forte porosité. Mais lorsque vous avez une faible porosité et des cheveux qui sont très denses, vous allez utiliser le beurre de karité, même si ce n'est pas avec parcimonie, vous allez voir que ça va marcher. Donc, pour moi, le plus important ici en ce qui concerne l'utilisation des produits lourds ou légers, c'est de savoir la texture de votre cheveu, la densité de vos cheveux. Si vous avez des cheveux qui sont fins et de faible densité, alors là, les produits lourds ne vous vont absolument pas, peu importe que vous soyez de forte ou de faible porosité. Mais si vous avez les cheveux qui sont gros grains, denses, mais qui sont de faible porosité, vous allez utiliser les produits lourds et ça va marcher du tonnerre. On dit souvent aussi que lorsqu'on a une forte porosité, les sources de chaleur sur les masques ne sont pas bonnes. Faux. Il faut savoir que la source de chaleur n'est pas là seulement pour ouvrir les écailles. C'est d'abord là pour faire en sorte que les cheveux absorbent au maximum les soins. Et c'est là que se joue tout le soin en fait. Si vous utilisez votre masque sans source de chaleur, il va pénétrer, mais pas comme lorsque vous appliquez une source de chaleur. Et venir interdire ça à des cheveux juste parce qu'ils sont de forte porosité, franchement, c'est dommage quand même. Et beaucoup galèrent encore à gérer leurs cheveux juste parce qu'ils sont concentrés sur ce genre de choses là. Et on dit aussi que les faibles porosités ne doivent pas se rincer les cheveux avec l'eau froide. Faux. À partir du moment où vous avez utilisé une source de chaleur pour mettre votre masque, c'est déjà bon. Le cheveu a absorbé tout ce qu'il faut. Maintenant, lorsque vous allez rincer avec l'eau froide, ça va faire en sorte que tous les soins qui ont été absorbés restent justement bloqués. Rincer avec l'eau chaude, moi je trouve que ce n'est même pas normal. Parce que vous allez venir ouvrir encore les écailles alors qu'ils ont besoin d'être fermés pour emprisonner les soins que vous avez apportés. Donc, même si vous rincez les cheveux dans un premier temps avec de l'eau chaude, il faut toujours terminer. La dernière eau de rinçage en fait doit être froide. En plus, l'eau froide fait briller les cheveux. Donc ce que je voulais vous dire aujourd'hui lorsque j'ai pris ma caméra, c'est qu'il est très important de connaître sa porosité pour savoir à quelle fréquence on va utiliser soit les soins protéinés, soit les soins hydratants. C'est tout. Le reste, il n'y a absolument aucune restriction. J'ai fait l'expérience sur plus de 20 filles que je coach et ça a marché. Il n'y a aucune qui se plante d'avoir des problèmes parce qu'elles ont utilisé du beurre de karité alors qu'elles ne devraient a priori pas. Tout ce qu'on dit qu'il ne faut absolument pas faire quand on a telle ou telle autre porosité, elles l'ont fait et elles ont eu de super beaux résultats. La seule chose que vous devez mettre dans la tête, c'est que si vous avez une forte porosité et que vous lavez les cheveux 4 fois par mois, vous allez faire 3 fois des soins protéinés et une fois des soins hydratants. Si vous avez une faible porosité, vous allez faire 3 fois des soins hydratants et une fois des soins protéinés. C'est tout ce qu'il y a à savoir là-dedans. Le reste, c'est pas important. Arrêtez de vous mettre des barrières, des restrictions partout. Si le beurre de karité était tant interdit aux cheveux qui ont une faible porosité, alors selon vous, pourquoi est-ce que toutes les gammes de cheveux crépus contiennent du beurre de karité? Pourquoi? À ce moment-là, n'utilisez complètement pas ces produits aussi, vu qu'il y a du beurre de karité à l'intérieur. Et si aujourd'hui, toutes les marques capillaires pour cheveux afro contiennent du beurre de karité, ce n'est pas pour rien. Parce que comme je l'ai déjà dit, le beurre de karité, c'est la vie. C'est la base de la base. C'est le produit que tous les nappies devraient avoir dans leur placard. Si tu n'as pas encore ton beurre de karité, pardon maman, va chercher ça quelque part au marché. Le bon, hein, pas le genre qui a été mélangé, pas le mbrakata. Donc arrêtez de vous priver de belles choses, arrêtez de vous priver des produits que nos cheveux aiment juste à cause d'une porosité. Et comme j'aime toujours à le dire, seuls vos cheveux sont les vrais juges. Personne d'autre ne peut vous dire que n'utilisez pas ce produit, ce n'est pas bon. Je dis personne, tant que tes cheveux ne t'ont pas fait savoir que ce n'est pas bon, continue à utiliser parce que c'est eux qui savent ce qui leur vaut.
Même toi-même, tu ne peux pas savoir si tes cheveux aiment un produit tant que tu n'as pas testé. La règle, c'est toujours de tester. Toujours et toujours. Et lorsque tes cheveux aiment, c'est bon. Vous allez me dire, mais comment on sait si tes cheveux aiment un produit ou pas? C'est simple. Lorsque tes cheveux n'aiment pas un produit, ils se cassent, ils chutent, ils sont secs, ils sont difficiles à démêler. C'est tout. Et lorsqu'ils aiment un produit, c'est tout l'inverse. Donc voilà les mamans, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment que vous avez appris des choses aujourd'hui. Si c'est le cas, n'hésite pas à poser ton like avant de quitter la vidéo. Je te vois. Si tu ne likes pas là, je vais t'envoyer le feu. Même pas feu là, c'est le téléphone même là qui va griller.